Oui, je sais ce que tu vas dire, c'est le printemps. Tu lis dans mes pensées maintenant? Ben, c'est facile, tu es contente à chaque changement de saison. C'est vrai. Bon, on ne vous avait pas vu depuis 2 semaines. Et vous nous avez manqué. Alors on revient avec une nouvelle recette. Enfin, plus exactement, 2 recettes. Pour un goûter câlin qui rapprochera petits et grands. Découvrons-le ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et direction cuisine. Pour le gâteau, il faudra 4 œufs, 100 g de sucre en poudre plus un peu pour le moule, une pincée de sel, une gousse de vanille, une cuillère à café de jus de citron, 500 g de fromage blanc, 100 g de maïzena et du beurre pour le moule. Attention, le sucre va être utilisé en 3 fois. Note bien le grammage de chaque étape. Je sépare les jaunes des blancs. Je mets les blancs dans le bol avec 20 g de sucre et le sel. J'insère le fouet et programme 2 minutes 30, 37 degrés, vitesse 3. J'ajoute 30 g de sucre et fouette de nouveau 2 minutes 30, vitesse 3. Je retire le fouet et réserve dans un récipient. Dans un bol propre et sec, je mets les jaunes, le reste du sucre, les graines de vanille et le jus de citron. Je mélange 1 minute, vitesse 4. J'ajoute le fromage blanc, la maïzena et mélange 30 secondes, vitesse 4. J'incorpore délicatement la préparation au blanc en neige en 3 fois. Je beurre et sucre un moule à charnière et y verse la préparation. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. J'entrouve le four et laisse refroidir 30 minutes. Ça part au frigo pendant environ 6 heures. Pour la pâte, il faudra 100 g de chocolat noir en morceaux, 40 g d'huile de noisette, 200 g de chocolat au lait praliné en morceaux, une cuillère à café de cacao non sucré et 400 g de lait concentré sucré. Dans le bol, je mets le chocolat noir et râpe 5 secondes vitesse 10. Je racle les parois du bol et y ajoute l'huile de noisette et le chocolat praliné. Je chauffe 2 minutes, 50 degrés, vitesse 1. J'ajoute le cacao et le lait concentré, puis mélange 1 minute, vitesse 3. Oh là là! Attendre 6 heures pour manger un gâteau, c'est de la torture. Crois-moi, ça en vaut la peine.
N'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire. Et à nous envoyer les photos de vos réalisations. Pour nous contacter, les liens en barre d'infos. Nous sommes toujours très heureuses de passer du temps avec vous, mais il va falloir vous quitter. On se retrouve dans 2 semaines. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.